Bonjour à toutes, ici Sky Alexa, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 12e épisode, si je ne me trompe pas. C'est ça, le 12e. Alors, on a la Pokéflûte. Il faut qu'on aille... enfant, réveiller le Flex. Dites-moi, cher enfant, aurez-vous réussi à emprunter la Pokéflûte? Oui. Oh! Vous êtes le seul à pouvoir jouer de ce drôle de pipo? Conflex pourrait nous attaquer si telle humeur chaque fois nous réveille. Avez-vous pas affronté cette éventualité? Oui. Quel plaisir de la tenir à nouveau entre mes mains. Bien, commençons. Le réflexe a ouvert les yeux, ou plutôt entre-ouvert. Et là, en quoi le capturer? Car c'est une nouvelle route, mais je vous le dis, le réflexe est dur à capturer. L'échouer. Ah, ça m'a fait peur. Le citrus. Pour la rien. Sa défense augmente. Pas de coup critique, hein? Pas de coup critique. S'il te plaît. Avoir un flex dans notre équipe, ça. C'est vraiment cool. Oh man! On avait presque. On va vraiment pas prendre la trappe. Comment tu peux que tu sois si dur à capturer ici? Mmh.
la dalle. Niveau 16. Il ne reste plus de Pokémon par contre. Complexe n'est pas satisfait tant qu'il n'a pas avalé ses 400 kilos de tout cas. Excusez, quotidien. Dès qu'il a fini de manger, il commence à 26 pour Jack. Incroyable, tu as réussi à capturer le complexe. Ouf, ouf. Oh, désolé d'avoir comme un cheveu sur la soupe et dire que pour moi la Pokéflotte était une simple décoration, alors que tu as toujours eu un vrai talent pour le pipeau. Même mon petit trésor pollu aime ce que tu fais, mais sûrement pas autant que les feux d'artifice de coiffon que je tire pour lui. Sans doute oui. Et puis, soyons francs, tu te donnes beaucoup mieux que dans le passé. Allez, je sais que tu n'as pas de poil dans les mains. Reprends ton instant et pratique tous les jours. C'était la tentative de récolte la plus minable que j'ai jamais vue. Bah, ce sont leurs affaires après tout. Bon, je me demande ce qu'on va trouver maintenant qu'on peut passer. Alors moi, je vais aller soigner mes Pokémon. Cool, on a ça, ça fait bon. Était dans ma pique. Trop voulait voir le pinceau Pokémon, alors on va faire un tour. Ici c'est la pinceau Pokémon. Confie leur un Pokémon et ils prendront le soin. Et ouais, et nous pouvons nous occuper de deux Pokémon par ta sens si besoin. J'ai lu qu'en laissant deux Pokémon de bonnes surprises pourraient se produire. Décidément, tu en sais des trucs. Parfois, nous retrouvons des œufs. Si on les prend avec soi et qu'on marche en un moment, un Pokémon finit par en sortir. Le Pokémon en sort. Sérieux, faut que j'essaye. Si j'ai plusieurs fois le même Pokémon avec le même capace, j'aurai mon groupe de danseurs en backup et ma prestation serait encore mieux. Sky, tu veux faire quoi? La prochaine fois, merci. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont retenu mon attention, je me réserve pour une autre fois. Jeune éclat de génie, écoute. Pour que brille mon talent au firmament, à moi l'équipe de Pokémon dansant. Je la sens bien, mon idée vraiment bien. Cerno, les mots ne me manquent. La passion. Ah, c'est lui qui donne... Donc on les offre quand ils sont prêts. Que mon âme explose dans ce combat brûlant.
rien. Passion Woods 9. Foxy, oui. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas goûté au jouet tel qu'on va. Okay. Je vois là. Ici. C'est la recette. On peut pas prendre des Pokémon. Oh les muses. Oh les muses me sourient, voilà un formidable jeu à peindre. Que ce combat soit palpitant, que nous puissions rester à peindre. Ok. Je savais pas que l'écume ça touchait les deux. Celle-ci. Ouais. Je dois essayer de me souvenir de cet instant toute ma vie. Savais-tu que ce bâtiment est un lieu d'entraînement très précis des dresseurs? On l'appelle le château de combat. Toujours plus sur les Pokémon, je suis certain que tu pourras battre les 8 champions de Kalos. On a ça. Dis-moi ce qu'est Galaxa, tu as quel type? Quoi? Tu en as pas? Pourtant avec ton niveau, tu devrais en avoir un. Les types sont décernés aux dresseurs qui ont fait leur preuve dans le château de combat. Sans surprise, seule une poignée de dresseurs a tiré sur le volet, puis y prétendent. Dame Violette, vous connaissez cette personne? Oh, vous possédez le badge collecteur. La preuve que vous êtes une personne destinée pour Dame Violette, à tout moindre. Permettez-moi de me présenter. Reginald Pennyworth, troisième du nom, pour vous servir. Et vous êtes Skagalxa. Comptez sur mon infaillible mémoire pour m'en souvenir. Je vous demande chaudement, Skagalxa, vous pouvez bien lui donner un titre. Je suis sûr qu'il vous en reste en stock. Et puis, il ne sera pas volé, le château y gagnera, c'est sûr. Fort bien! Une recommandation aussi catégorique de votre part, Dame Violette, a la valeur d'ordre. D'autant que mon expérience me permet de préjuger de bien des qualités chez Mademoiselle Skagalaxa. Mademoiselle Skagalaxa, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme Baronne. Je suis Baronne. Notre sœur jouit un petit peuple en... ce lieu jouté avec d'autres dresseurs, également portant un titre, noblesse oblige. Le type de baronne vous place au plus bas de cette auguste et multiséculaire hiérarchie, mais
en trouvant votre bonheur et en méditant avec leur vous en récolterez les lauriers et les petits et les petites. Enfin, désolé. Ce faisant, vous attirez l'attention de nos plus estimés danseurs qui, concernant à venir croiser le fer en ces lieux tout en de gloire. Aurez-vous la moindre question, adressez-vous sans honte au petit personnel près de l'entrée. Dame Bellette, mademoiselle Scalassa, veuillez m'excuser. J'ai un type, tu sais. Essaye donc d'obtenir le type ultime et on aura peut-être la raison de s'affronter. Alors. On peut bien essayer de combattre quelqu'un. Oh là là, je sens que je vais gagner, je suis tout excitée. Essayez. Elle aussi est baronne. Alors on peut juste se battre entre comme baronne. C'est pas grave. Boost. Je n'ai plus pu. Quelle émotion! Mon petit cœur fait des bons, c'est la première fois que je vis ça. La dernière fois que j'ai joué, j'ai vu que c'était au-dessus de barrel, je ne sais pas quoi. J'ai fait mes débuts dans le grand monde. Pas cette dernière date. Avant de monter. C'est pas trop. Oh, 19. Quoi, ça, je me suis trahi. Non, je pense que c'est qu'on aille là. Ouais. Bon, en tout cas, ça va être pour la prochaine fois. Dans le fond, je voudrais juste... aller soigner les Pokémon. Et puis dans le fond, l'épisode va... ben on va finir l'épisode ici. Ben c'était une belle expérience pareil. On peut faire les combats justement pour monter nos Pokémon quand même un peu plus haut. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis, on va se retrouver prochainement pour d'autres épisodes. Allez, bye bye!